sur la droite et Matt Gosselin reprend pour Plainville, Poivrien devenait vers le centre. À l'entrée du territoire des remparts, Bryce Swan accepte la passe de Hanson, la fin. Miller l'a suivi tout le long, ça passe pas. Arrête du grand 29 des remparts. C'est ce qu'il met dans le territoire. Villeneuve, le tir et le but. Xavier Villeneuve marque son premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un tir frappé de l'extérieur pour battre le gardien Miller à sa gauche. C'est 1-0, Blainville-Boisbriand. Le petit numéro 72 de l'Armada à son premier match au Centre Vidéotron, son 8e dans la LHJMQ. Dans le territoire des remparts, la remise à Fauchon sur l'aile droite. Applique les freins, regarde ses options. Au point d'appui pour Philippe Fauchon, le tir. Arrête Miller, il n'y aura pas de retour. 4-5 secondes à l'avantage numérique. Murray s'interpose au centre. Kassim Godette se sauve en zone ennemie. 2-0. Charles Savoie rate la manœuvre. Godette de derrière le but. Arrête Gravel. Savoie reprend à nouveau punition terre. Komarov à Godette sur sa droite. S'avance le tir. Arrête Gravel derrière le filet. Godette bataille avec Gosselin. Revient au point d'appui à Komarov. Komarov sur sa gauche à Savoie. S'avance dans l'enclave. Fin de tir et de but! La passe était parfaite à Antoine Dorion et c'est l'égalité 1-1. Une superbe passe de Charles Savoie et Antoine Dorion n'a eu qu'à rediriger la passe de son coéquipier derrière le gardien Gravel, pris hors position. 1-1 la marque avec 9,4 secondes à jouer. En première période, et il reste 1-0-1 à la punition de Jonathan. Le filet pour Massé. Rondelle débattue derrière le but, Massé se défait d'Arledé. La passe devant, le tir de Plouf. Arrête Gravel avec l'épaule droite. Andrew Guan. Guan regarde ses options, tente une remise devant, c'est interceptant défensive. Hanson perd le disque. Agostino reprend, tire rapidement et Gravel traverse la ligne rouge en entrée de zone. La fin de coupe dans le centre de la glace. Belle montée de Lebel. Passe sur sa droite. Savoie dans l'enclave, le tir. Arrête Gravel avec la jambière droite. Et la rondelle part de suite. Demeure libre dans le coin, c'est défenseur qui est là. Agostino sort avec la rondelle. Belle passe transversale. Point d'appui gauche à Komarov, le tourniquet. Ça mène au filet. Komarov, la feinte, le tir. Arrête Gravel, rondelle libre. Agostino rate sa manœuvre. Il y avait trop de trafic devant le but. Remise coupée en défensive. L'Armada quitte sa zone. Voilà. Philippe Fauchon dans le territoire des remparts maintenant. Passe à la remorque pour Hansons. Le tir est bloqué devant le filet. Rondelle libre. Hansons est le but. Kristen Hansons loge la rondelle derrière le gardien. Miller, la rondelle était sautillante. Et finalement, l'attaquant letton récupère pour marquer à son tour son premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Avec 8-17 à jouer en deuxième, l'Armada reprend les devants, c'est 2-1. Blainville, Boisbriand. La rondelle est demeurée vive devant le gardien. La rondelle revient zone neutre, Jalasti. Mauvaise passe interceptée. Charbonneau dans le territoire des remparts, belle manœuvre, le tir. Aaron Miller, il y aura punition. Incapable de quitter sa zone encore une fois. C'était Massé. Le mieux à Fauchon. Quand on passe à Desjardins pour Fauchon, le tir, arrêt du gardien Miller. Il n'y aura pas de retour avec du côté droit. La passe pour Gosselin est raté. Nathan Plouf récupère. Son tir est bloqué par Gravel. L'attaque pour le disque. Cloutier passe vers le devant du but. Il y aura punition. Un retardement pour l'instant devant le filet. Malte, belle manœuvre. Dans l'enclave, le tir. Arrête Gravel. La rondelle glisse à la gauche du but. Punition intercepté par Charles Savoie. Rondelle qui demeure dans le territoire. Dorion transversal a marqué la flamme. Le tir. Arrête Gravel avec l'épaule gauche. La rondelle est récupérée au retour par McDonald qui déblait jusqu'au centre. La première punition est terminée. 5 contre 4 les remparts pour 28 secondes. Charles Savoie s'amène en zone ennemie. Coupe dans le centre de la glace. Belle manœuvre. Il est seul devant le tir. On l'a accroché. Arrête Gravel. Il n'y aura pas de retour. Il y aura punition. Une mise en jeu entre Paquette et Massé. Gagné par les remparts, Maltel le long de la ligne bleue, Jalasti sur sa droite. Fin de tir à Massé à la gauche du gardien. Karl-Anthony Massé tente une remise devant le but! La passe de Massé déviée sur un bâton pour battre Gravel par-dessus l'épaule droite. En avantage numérique, 5 contre 4, c'est l'égalité 2-2. Karl-Anthony Massé, champion marqueur de la Ligue collégiale du Québec l'an dernier. Quelque peu chanceux, mais il a placé une rondelle au filet tout simplement. Massé tentait de rejoindre son coéquipier devant le but. La rondelle a dévié sur le défenseur. Olivier Filaille pour battre le... C'est coupé en défensive. Guan la passe devant. Marquis Laflamme s'amène en zone ennemie. Marquis Laflamme le tir est à la droite de Gravel. Moffett au point d'appui. Long tir. Et le but! Big Jack Moffett! Et les remparts prennent les devants une première fois dans le match. C'est 3-2 Québec. Big Jack Moffett avec un long tir des poignets de la ligne bleue. Surprend le gardien Charles-Édouard Gravel. Les remparts marquent 2 buts en l'espace d'1 minute 4 secondes et prennent les devants 3-2 au centre Vidéotron.
Je ne pense pas que ça aide. Agostino avec le patin récupère. Sur l'aile droite en entrée de zone. Agostino dans le territoire ennemi. Revient devant le tir. Arrête Gravel et on déblaye sur l'aile droite. Un bon saisir correctement. Il a été nonchalant. La rondelle demeure dans le territoire des remparts. Gosselin mis en échec par Maltais. Belle arrêt de Miller sur un tir. Et confiant devant son filet, Quentin Miller. On déblaye jusqu'au centre où c'est repris par l'Armada. Charbonneau-Joseph et Olivier Filaille fait tourner derrière le gardien des remparts. Sur la rampe, Wheeler garde le 6 profondément pour Desjardins. La passe devant et le but! Un tir sur réception. C'est l'égalité 3-3. La rondelle est revenue rapidement sur la lame de bâton devant le filet de Xavier Sarrazin. Et le petit vétéran de 20 ans crée l'égalité avec un tir vif pour battre Miller à sa droite. L'Armada crée l'égalité en troisième période. Avec sortie de zone. Une dernière montée. Traverse la ligne rouge, 3 secondes. Gianasti du revers envoie vers le filet. On aura besoin de surtemps ce soir pour faire un mètre. C'est 3-3 après. Se coupe dans le centre de la glace, perd la rondelle. Reprend plus loin. Ça voit vers le filet, le tir. Touche le poteau. À la gauche de Gravel, il l'avait battu. Sur l'aile droite, la passe est belle. Pierre-Étienne Cloutier avec Maltais sur sa gauche. Cloutier le tire. Arrêt du gardien Gravel. La rondelle a touché le poteau derrière le but. Cloutier reprend 20 secondes à la période. Cloutier le tire, arrête Gravel. Rondelle qui demeure libre, c'est repris par... Rondelle qui demeure dans le cercle de mise en jeu. Savoie s'en empare. Savoie tourne sur lui-même. Adorion le tire là-bas! D-O-R-I-O-N! Adorion! Victoire des remparts! Au centre Vidéotron, par la marque de 4-3. Un tir vif, précis d'Antoine Dorion pour battre le gardien de l'Armada à sa droite. Une quatrième victoire de suite à domicile.